s'était arrêté ici en PLS. Je vous avais expliqué un peu tout le principe. Alors, l'épisode dernier, ma caméra a un peu déconné. En fait, j'ai des petits raccourcis et ça me fait n'importe quoi. Alors, allez, bon. Bon, du coup, il y a pas mal de taf, hein, les gars. Il y a pas mal de taf à faire. Déjà, il faut se faire un endroit un peu convenable parce que là, c'est la merde. Donc, je vais égaliser tout ça et je vous récupère après. Je vais nettoyer, égaliser, planter des arbres, enfin, un peu aménager cette forteresse et je vous reprends. Allez. Ok, bon. Ah, c'était la nuit, j'étais en train de creuser tranquillement. What the fuck? Putain, lui il m'a saoulé. Et comme vous l'entendez, on entend des petites araignées là. Et ces petites araignées, c'est possible, je dis bien c'est possible, je dis bien c'est possible qu'elles indiquent un mineshaft. Mineshaft, je vous ai dit, hein, c'est des galeries souterraines. C'est exactement ce qu'on doit visiter. Pour l'instant, on va rester là, dans les galeries parce qu'à l'extérieur, c'est trop dangereux. Eh ouais, bien sûr, c'est trop dangereux. Ouais, c'est trop dangereux ici aussi, quoi. Vas-y. On va remonter. Je suis en train de me full paumer là où je suis là. On va remonter, on va poser tout ce qu'on a pris. Est-ce qu'on pourrait pas... Ok, bon, on va marquer l'endroit. Voilà, on marque ça. On va remonter. Putain, j'ai creusé comme un fou furieux quoi. Là, on est clair pour pas que ça pop. Ouais, j'ai un peu creusé, c'est pour me faire de la pierre, hein, évidemment. Faire de la pierre, de la terre pour combler tout ce qu'il y a. Donc, écoutez, on va aller voir ce qu'il y a, tout simplement, de l'autre côté de cette paroi rocheuse. Faire une petite coupure là, je pense, parce que ça n'a pas trop d'intérêt cette montée-descente. Bon, du coup, on y retourne. Voilà, on y retourne. Bon, on a fait quelques trucs en plus quand même. On a un peu agrandi la forteresse. Ok. Ok. C'est un donjon. C'est un donjon, les gars. Donc on va pas y aller. On est clairement pas apte à se battre là-dedans quoi. Tout simplement. Surtout que je sais pas à quel niveau je suis. C'est le donjon qu'on doit voir de loin là, depuis la forteresse. Vas-y, on les défonce comme ça, hein. What the fuck? C'est très dangereux ce que je fais, hein. Carrément un donjon quoi. C'est carrément un donjon, mais donjon c'est le top, c'est là où il y a le plus de ressources. Va bloquer contre l'arrivée d'ennemis éventuels. Vous voyez, il y a de la pierre de taille directe, il y a des blocs de terre cuite pour faire ma statue. Et des coffres, évidemment. Putain, je suis blindé quoi. Je suis blindé de merde. On reviendra là. Hein. Ok, en effet, pas très agréable ici. Je peux former la pierre de taille. Hein. Bon, je pense que c'est pas mal hein, pour un début.
C'est quelque chose qu'on n'était pas censé trouver, donc c'est vachement cool. Va se récupérer un peu de terre encore. Et on va remonter à la surface. Donc voilà, c'est ça que je fais, hein, les gars. C'est en gros, je comble, quoi. Je comble les trous. Et il y en a pas mal à faire de cette saloperie. Bon, on est obligé, hein. Faire un truc un peu propre. Voilà. Voilà. Pour l'instant, on en est là, les gars. Donc ça va, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. On va rajouter un peu de pierre taillée. On a trouvé. Non! Non, pas la pluie! Il va y avoir des bestioles de ouf qui vont sortir. Aïe aïe aïe, il faut que je me casse d'ici vite. Vite! Ciao! Ah, ça, c'est les missions un peu fastidieuses du début, mais si je les fais pas, bah, c'est. Enfin. Je pourrais rien faire en fait. Il faut d'abord. Putain, chier. Faut d'abord faire un truc propre. Et ensuite, on pourra commencer réellement à explorer, à faire un truc comme ça et tout. Mais là, pour l'instant, je peux strictement rien faire en fait. Tant que ma base n'est pas un minimum propre, quoi, bah, c'est mort, quoi. Ah, je ne pourrais pas. Oh que non. Bon, j'ai déjà fait ce côté-là. Oh putain, il fait nuit et tout, quoi. Putain. C'est la merde. Est-ce que j'ai l'air d'être en PLS? Voilà, voilà ma vie dans un trou. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Là, je joue avec le feu de faire ça de nuit. Tellement rien. Je peux même plus aller là-bas, je vois plus rien. Ah, il y a un truc qui vient de pop, c'est un loup-garou. Wow. C'est un loup-garou qui vient d'apparaître devant moi là. Il y a un zombie qui me vient dessus ou quoi? Vas-y, dégage! Oh putain, je suis pas bien là. Et voilà, je me suis mis dans la merde. J'aurais jamais dû rester là. J'aurais jamais dû rester là, bordel. De cul. Je suis bien là. Faut clairement que je me fasse une maison fermée. Clairement. Bah écoutez, on va passer la nuit là. Aïe. Tain, voilà comment on se fait à cœur quand on veut sortir, quoi. Vas-y là. What the fuck, y'a des creepers et tout. Vas-y, faut aller les flinguer. Hein. En fait, tu cours, tu mets un coup, tu cours, tu mets un coup, et tu le fumes. Allez. En sautant, je fais encore plus de dégâts. Lui là-bas, il me fait un peu peur. Qu'est-ce que tu veux, toi?
Faut vraiment que je protège ma forteresse. Vous voyez comme c'est critique. Bah du coup en gros j'ai passé encore une fois la nuit à récupérer de la... Merde. Bah de la boue là, de la terre. Bah, j'en ai vraiment récupéré beaucoup du coup. Hein. J'ai trouvé une poche de terre. Oh. Yes. Le soleil. Oh. Alléluia. Ok, bon ben j'ai encore passé une nuit à former quoi, simplement former de la terre. Ah, le soleil se lève, va m'aider à sortir. C'est trop dangereux quoi. Oh putain, lui là-bas il est trop fort. Ah, il est trop fort le monstre qu'on a vu là. Clairement trop fort, je peux pas l'affronter, c'est sûr. Il va me défoncer. Il va me tuer en fait, simplement. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Coucou. Wow, 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 wow. Vas-y. Il bloque l'entrée. Faut que je me fasse un flingue. Je vais me crafter un flingue. Je peux rien faire là, comment je fais? J'ai plus de bois? Si j'ai du bois. Je suis obligé de vivre sous terre, c'est horrible. Oh, on se fait des pelles, hein. C'est bon. On a marre de pas avoir de pelles. Qu'est-ce qui me sert à rien à ça? Ok, faut que je me trouve une sortie là, ça va pas. Lui là, celui qu'on a vu, il était extrêmement dangereux. C'est un des pires ennemis qui existe dans ce mode. Un des pires, je peux dire le pire, mais c'est un des pires, clairement. Bon, je pense qu'avec toute la terre que j'ai pris, il y aura moyen de finir ça finalement dans cette vidéo. Comme ça, on n'en parlera plus de cette merde. Ça m'a saoulé. C'est reparti. C'est reparti, c'est reparti comme en 40. Allez, si on finit pas, je me pends, wesh. Vas-y, je me pends. Là on finit. Ah, on va pas finir. S'il te plaît. Est-ce que ce sera en train de me rendre fou? Il manque que ça. Il manque que ça. Regardez. Bon, bah tant pis, là pour de bon que les gars, là c'est fini. Hein. Là c'est fini. It's over. Over pour cette vidéo, guys. Bah du coup, prochaine vidéo, objectif. Faut se mettre des objectifs, je pense, dans les vidéos. Objectif. Bah finir cette merde. Avancer encore un peu dans la forteresse. Parce que là, on en est loin d'être prêt, quoi. Ensuite, commencer à faire les trucs pour survivre. Parce que là, j'ai pas grand-chose pour survivre.
Qu'est-ce que... C'est-à-dire l'élevage, la quête de l'élevage, la quête de l'agriculture. Déjà. Puis je pense que ça ira, je pense que ça sera bien si on arrive à tout faire dans la prochaine vidéo. Pas tout faire, mais en faire une partie, quoi. De toute façon, on fera au fur et à mesure. Je pense que ouais, je pense que ça va être comme ça, ouais. Ouais. Noni! On verra bien. Attends. Attends. Rends pas fou, bro. Rends pas fou. Voilà. Et ciao, guys!